Congo Riverside, je vous explique. Ok. Kango est une jolie petite ville aux abords du fleuve Komo, dans la première province du Gabon, j'ai cité la province de l'Estuaire. C'est une localité qui a une importance particulière pour nous, parce que c'est autour de Kango que se trouvent les villages dont on est originaire. Donc vous l'avez compris, je suis moi-même un digne fils de Kango. C'est d'ailleurs à ce titre-là que les notables de notre localité ont estimé qu'il était judicieux que l'ordre des communes d'or fasse partie des personnalités présentes lors de la visite des autorités du pays chez nous à Kango. J'ai estimé que je devais jouer mon rôle dès que l'on m'a proposé de passer devant le micro. Jouer mon rôle en m'exprimant comme je sais le faire, en musique, en poésie, mais tout ça pour passer un message direct aux autorités actuelles et notamment au président de la transition. Bienvenue chez nous, bienvenue chez moi, bienvenue chez vous. Je m'appelle Ekoumi Ndong, mon est de Kango, d'ailleurs, Kango. Ici, on est vraiment chez moi. C'est pour ça qu'il fallait que je sois là. Je m'appelle Ekoumi Ndong, Ndongba, Bamayo, Mio, Mese, Sendong, Ndong Fanbe, Fanbe Ntutum. Se me viennent, me bat, mes sangor, bisous, 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 kula, kula, yem, ayam, à tous les cœurs, et quelques liens, zam, zama, aya, aya, minkam, minkam, environ, encore un dans vous, zame, zame, yem, barin. Mais, au premier matin, lorsque le coq a chanté, je n'étais pas là, c'est pour ça que je m'arrête là. Travail à moi, c'est de vous parler. Au nom de mes frères et sœurs qui sont là. Faites du bruit, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je parle pour Kango. Le Kango, c'est le Gabon. Et ma façon à moi de parler, je parle avec des mélodies, avec des images et avec des histoires. L'histoire que je raconte dans la chanson que je vais faire pour vous, ça raconte l'histoire d'un enfant. Ça raconte l'histoire d'un enfant qui est à la recherche de lui-même, à la recherche de son identité, qui est à la recherche de son père, en fait. Cet enfant, c'est Kango. Et son père, c'est son identité. Cet enfant, c'est moi. Cet enfant, c'est vous aussi. C'est une histoire que nous connaissons tous. Elle parle du fait que pour que les choses changent, il y a des choses qui ne doivent pas aussi changer. Ces choses-là sont relatives à notre culture, à notre identité. Ici, à Kango, c'est un lieu très puissant en termes de culture. Et on a besoin que certaines choses soient préservées. La dernière fois que l'on s'est rencontré en musique, j'avais posé une question qui était « Est-ce que c'est vrai ?» J'ai chanté. C'est ma façon à moi, mais c'est à vous. Aujourd'hui, j'ai un autre message et il parle de culture aujourd'hui, mais je le fais mieux en musique. Donc on va demander à Sky d'envoyer la musique. On est des mains comme ça. Toutes les mains. Les mains. Et vous bien que...
Kango a été un retour aux sources. Quand on parle de racinement chez nous, c'est la première des choses. Retourner chez soi, retourner dans son village. J'en profite d'ailleurs pour préciser que je n'ai pas été invité à Kango par le protocole présidentiel et je n'ai d'ailleurs pas fait partie de la tournée du président. De la même manière, contrairement à ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux, je n'ai pas donné de concert à Kango dans ce cadre-là. Il n'a pas été question d'aller chanter les louanges des hommes politiques en mode kunabelliste avec des atalaku. Par contre, j'ai profité de l'occasion pour faire passer un message. Un message par rapport à nos cultures qui sont en danger, par rapport à notre jeunesse qui est de plus en plus acculturée. Et je l'ai fait en utilisant un de mes morceaux que vous connaissez tous, qui s'intitule « Bicéphénal ». On est ensemble.